Et si on allait sortir en solo? Hello, il fait soleil. Et il est 15h. J'ai littéralement décidé à 15h d'aller sortir. Donc, ce qui va se passer, c'est que là, je suis littéralement en train de me préparer pour bouger. Je vais littéralement bouger en librairie. Je sais pas, j'ai juste besoin d'aller sur Paris. J'ai besoin de faire quelque chose. J'ai besoin de sortir. Donc, on va sortir. Je viens de m'habiller. J'ai un foulard sur la tête. Il faut juste que j'aille en chercher un autre en haut. Et voilà, j'espère que vous allez bien. En fait, je me suis changée parce que je me suis dit, bah, si tu vlogs et que. Ma collection de foulards. Et je me suis dit, Iman, si tu vlogs et que tu mets encore le même gilet dans tous tes vlogs, ça va être normal. Donc j'ai décidé de me changer. Je me suis dit, bon, maintenant il est temps de vlogger. Si je suis rouge, c'est parce qu'il y a tous mes livres rouges en dessous. Aussi parce que je suis naturellement rouge. Mais donc, pour vous dire, j'ai décidé de vlogger. Aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à faire, mais finalement, je crois que je vais tout faire dans la soirée. Comme ça, demain, je me repose, je suis zen. Mais c'était juste. J'ai besoin de décompresser. Normalement, je devais voir une amie à moi, et ça fait 2 semaines que j'ai pas de nouvelles d'elle, et ça m'inquiète parce que j'ai plein de trucs à elle, d'une valeur de 100 euros, et je n'aime pas avoir des responsabilités aussi grosses. Et donc, j'aimerais quand même les récupérer pour qu'elle puisse les offrir, parce qu'à la base, c'était un cadeau pour des gens. Et du coup, c'est assez inquiétant et je n'ai pas de nouvelles d'elle. Et je voulais aller squatter chez elle, mais j'ai pas son adresse exacte. Donc, je ne saurais. J'arrête pas de la harceler. Et en plus, je ne sais pas quel numéro elle utilise. Est-ce qu'elle utilise le numéro français ou est-ce qu'elle utilise le numéro coréen? Je ne sais pas. Et du coup, c'est flippant. Et bref, mais du coup, bon, moi, je me prépare pour aller en librairie. J'ai mon sac. Dans mon sac, il y a toujours mon tote bag, bien évidemment, aujourd'hui. Ah, c'est le vert. Ah, le vert, c'est ma couleur préférée du moment. Mais j'ai pris mon tote bag avec moi au cas où j'ai acheté des livres, mais je vais pas vous mentir, demain matin je vais filmer mon haul. Je vais filmer mon haul et je sens la catastrophe parce que je vais pas vous mentir. Le lit de ma soeur, qui a déménagé, est juste plein de livres. Voilà. Enfin bref, c'est pas grave. Je crois que je vais peut-être passer par. Bah du coup, je vais passer par Rue Rivoli. Donc à la rigueur, si je vais Rue Rivoli, je vais peut-être passer par Ikea. Un instant. Je pense que je vais passer par Galignani, 4 septembre, tout ça, tout ça. Et donc, je vais juste mettre mes bagues. Et oh, ma sœur, elle m'a offert ça de Dubaï. Et c'est trop cool. J'aime trop, c'est canon. Bon, c'est rose, j'aime pas trop. Mais ça sent super bon. C'est de l'huile. C'est de l'huile. C'est de l'huile musc. Mais bref, du coup, ce que je disais. Je suis encore rouge, mais c'est pas grave. Ce que je disais, c'était, ouais, je vais aller en librairie pour essayer d'aller acheter des livres. Je sais pas, moi, il y a des livres qui vont peut-être me tenter, même si j'ai acheté pas mal de livres dans mes moments. Dans mes chers petits moments. Mais voilà, enfin, en ce moment, c'est pas trop ça. Hein. J'en ai parlé. Ah ouais, j'en ai parlé avec des amis pendant. Comment dire en français? La soirée d'inauguration du pop-up Star à Kata. Et j'ai trop le seum de pouvoir être allée le dernier jour. Mais pendant la. L'inauguration, on m'avait dit ouais, du coup, tu fais les vidéos, c'est pourquoi? Et j'étais. C'est pas pour maintenant. Je voulais aller à Épinal aussi, voir Nina, mais malheureusement, ça ne se fera pas de mon côté. J'ai pas mes persos. Bon, c'est pas grave, c'est pas la mort. Et du coup, voilà. Mais bon, tant pis. C'est pas fait pour moi. C'était pas ma période. Mais bon, moi, je vais aller sortir en librairie. Je vais peut-être aller m'offrir un bubble tea. Je ne sais pas exactement ce que je vais faire. J'ai vu que Red Lauder était sur Paris avec Inès. Si je peux aller les croiser, ce serait trop frais. Ce serait trop bien. Mais je pense pas que j'aurai le temps de le faire. Mais bon, on va essayer de voir ce que ça donne. Et on va aller en librairie. Je vais vous embarquer avec moi. Et mon téléphone en ce moment, il fonctionne bien. Mais du coup, j'ai aussi des vidéos à éditer. Enfin, j'ai une vidéo à éditer aujourd'hui. Je devais le faire hier, je l'ai pas fait. J'ai loupé mon métro. Let's be together too. Paradise. Yeah. C'est pas les sorties de septembre, ça? Paradise. Bah, je voulais prendre un manga avec moi pour lire, mais est-ce que je le prends celui-ci du coup? Non, je vais lire à la maison ce soir. Yo! Okay.
Je vais remettre ça de pas. Je suis pas restée calme dehors, c'est trop bizarre, c'est hyper flippant. Et vous avez vu mes darines, j'espère qu'elles sont vraiment courage à vous. Faites ce qui se passe. Petit update sur ma vie. J'ai une amie qui est à Smith & Son et qui m'a invité, enfin qui m'a dit de la rejoindre. Enfin, je me rejoins à elle. Et du coup, 15 jours par mois. J'espère que vous allez bien, ça fait longtemps. J'étais en train de monter le vlog que je voulais sortir, dont l'intro, l'outro est...
Vous en avez beaucoup vu de ma chambre, mais elle va pas tarder à changer, c'est pour ça que je me permets. Mais j'ai fini, je suis en train de monter le vlog, mon ordinateur m'a lâché, heureusement que je me suis acheté une tablette, donc là je suis en train de tester des logiciels, mais du coup j'étais en train de monter le vlog, je l'ai fini il y a 2 jours. Et j'ai découvert un truc, c'est que, enfin ça je le savais, mais c'est vrai que c'est intéressant, quand je filme toute seule, et que je filme pas des plans de ma tête, je chantonne. Et du coup, et il y a des vlogs que j'aime beaucoup, bah c'est justement pas de musique. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas moi aussi de mon côté essayer de faire ça. Et c'est trop bien. Enfin, j'aime bien entendre les gens dans les bibliothèques et entendre les tout. En fait, j'aime trop entendre la rue. J'aime trop entendre les gens dans les bibliothèques. Et en fait, j'ai pas le temps de choisir des bonnes musiques, donc j'utilise toujours les mêmes. Et je me suis dit, attends, ça change. Ça fait plaisir et tout. Et donc voilà. Par contre, le vlog, vraiment, ma tête, j'étais gonflée de A à Z. Je le suis encore un peu, mais c'est vrai que j'étais hyper gonflée à cette période. Vous m'excuserez, je vous jure, j'ai les yeux gonflés parce que j'ai monté la vidéo sans lunettes. Dans le noir absolu. J'avais que cette lumière-là qui m'éclairait. J'étais sur mon bureau au bout avec une bougie à la cannelle parce que je suis à fond dans mon mood de bougie. Mais. Bref, tout ça pour vous dire, et je me suis maquillée qu'un seul œil. Mais tout ça pour vous dire, j'étais en train de monter le vlog et je me suis rendu compte que j'avais pas d'outro, j'étais en train d'écrire quoi écrire à la quoi mettre à la fin. Mais en fait, je me suis dit, mais non, c'est débile, autant moi filmer d'un coup et renvoyer à ma tablette pour pouvoir terminer la vidéo. Du coup, voilà, j'ai passé une journée archi sympathique, j'ai acheté. Bah du coup j'ai reçu trois livres de chez Taifu qui étaient les sorties de septembre. J'ai reçu les sorties d'octobre là très récemment, mais ça, je vous le montrerai dans mon haul que je vais filmer normalement demain matin. Là normalement cette vidéo, bah, si j'arrive à la monter, elle sortira demain matin lundi férié. Et normalement demain je vlog aussi, demain je filme aussi. Et j'espère vraiment pouvoir faire du contenu. Mais bref, du coup pour vous dire, j'ai juste acheté Dark Rise de CSPK. En fait j'avais filmé une outro, mais c'est pas mon téléphone, il aime beaucoup bugger parce que je filme sur mon téléphone. Mon téléphone il aime trop bugger. Attends. Il n'y a aucune logique. Mon comportement pas logique. Je suis de la même couleur que mon foulard. Et que... Non, je suis plus Bref. Mais tout ça pour dire, j'ai passé une journée archi cool. Ça fait du bien en fait de sortir toute seule. J'adore passer du temps avec des amis, mais c'est vrai que je regardais une vidéo en plus tout à l'heure sur les extravertis. Et des fois, il y a des moments où t'aimes juste être seule, et ça fait du bien d'être seule. Et du coup, j'étais là, j'étais seule. Et j'ai quand même fini par voir une amie avec une de ses amies. Et ça fait archi du bien. Je suis partie du coup à la bibliothèque Galignani. Je suis partie. Que d'ailleurs, je mentionne enfin, dans laquelle je vais régulièrement. Je suis partie. À Bukov, je suis partie à Smith & Son parce que maintenant c'est le nouveau nom de W.H. Smith. Ensuite, je suis partie à. Bah, enfin, j'ai fait d'abord Galignani et Smith & Son. Après, je suis partie à Bukov. Et après Bukov, j'ai décidé d'aller à Tamaya, Tayama, Tamaya, Bubble Tea parce que j'ai une amie qui m'a dit que leur Bubble Tea était canonissime. Enfin, qui était très très bon. J'y suis allée, franchement, ça vaut pas les bobas de Yifang, Yifang, mais c'était bon. Et en fait, pendant que j'étais en train d'attendre mon bubble tea, j'ai une amie à moi, Mina, qui m'a dit, ben en fait, elle m'a envoyé une photo de Dark Rise et je suis, ouais, je l'ai acheté tout à l'heure. Et elle me fait, bah, je suis à la librairie et tout, juste parce que j'ai reconnu la librairie. Je fais, ouais, c'est à Smith & Son et tout. Après, elle me fait, ouais, j'y suis là, je vais au salon de thé. J'étais, attends, est-ce que je peux venir dans 15 minutes? Elle m'a dit, ouais, bien sûr. Et j'étais, ok, j'attends juste mon bubble tea, j'arrive, je suis partie en courant. Et on a passé une petite heure ensemble, ça faisait super longtemps. Enfin, en fait, on se voit tous les ans. Une fois par an, en fait, on se voit. La dernière fois, ouais, c'était vraiment une fois par an. Hein. Ouais, elle m'a dit qu'on s'était vu il n'y a pas longtemps, mais c'est une fois par an, vraiment. Bref, et du coup, j'ai passé un peu de temps avec elle. Et puis après, je suis rentrée, j'étais fatiguée. Et je me suis reposée. Et puis après, le lendemain, c'était dimanche. Je me suis reposée encore. Et ensuite, le lundi, c'était samedi, c'était l'école. C'était le travail à l'école. Et ouais, mais c'était quoi? C'était la semaine d'après ma soutenance ou la semaine d'après après ma soutenance? Je crois que c'était le 14. Le temps passe trop vite. Mais bref, c'était trop bien. Je faisais une journée fort sympathique. J'ai beaucoup dépensé parce que j'ai acheté un livre à 24 euros. Mais...
C'était le seul livre que j'ai acheté, d'ailleurs. Plus le bubble tea. J'ai acheté autre chose. Plus le thé, aucun salon de thé. Bref, j'ai passé une journée. Franchement, ça fait archi du bien de sortir comme ça. Mais après, régulièrement, je sors les dimanches avec des amis. Donc, enfin, les dimanches, les samedis avec des amis. C'est vrai qu'en ce moment, bah, du coup, je me suis acheté ma tablette. Il faut que je fasse attention pour l'argent. Mais heureusement, franchement. Oh, je vous raconte pas. Je l'ai acheté hier. Mon ordinateur m'a lâché aujourd'hui. Il a fait sa crise de jalousie et heureusement que je prédisais le truc parce que vraiment en fait il est mort. Et surtout le logiciel de montage était trop lourd pour lui. Et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai dit tu sais quoi, mets tout dans le drive. J'ai tout mis dans le drive. Bref, la vidéo ne fait que 11 minutes et j'ai réussi à faire une intro de 6 minutes. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais aller la terminer et je vous dis à tout. Bye bye. Prenez bien soin de vous, j'espère que vous avez apprécié. Bon appétit, bonne nuit, tout ce que vous voulez. Que du plaisir, que du bonheur, et je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao!